za kuku Bambona rabete misa mien Amane mien garevente Nous sommes dans le département d'Estimboué, dans la province de Lougoué-Maritime, à l'ouest du Gabon, zone d'extraction de pétrole et de gaz depuis plus de 100 ans et dont les dégâts de pollution infestent tout l'espace vie, à l'instar de cette étendue de terre à perte de vue, totalement imbibée de résidus de pétrole. Une double pollution, pétrole, gaz, signée de la Société pétrolière française Perenco, qui siphonne allègrement les richesses du sol et du sous-sol d'Estimboué au détriment des exigences de respect des normes environnementales, à l'image de ces terres complètement pollues. C'est notre désolation de voir du brut en train de couler dans les mangroves et les arbustes. Donc comme vous pouvez constater de par vous-même, tous les mangroves sont en train de brûler et cela est dû à l'effet chimique que ce produit génère. Alors nous n'avons pas perdu le temps, nous sommes partis voir les responsables de Perenco qui sont juste en bas du avant le pont et à Sibiwan précisément dit-on. Alors après cela ils sont venus voir et ils sont dépêchés à mettre deux personnes pour commencer à collecter ce brut là. D'où la raison, vous voyez, il y a près de 8 fûts qu'ils ont déjà commencé à collecter. Mais vu l'étendue de la pollution, elle peut durer plusieurs mois, comme vous pouvez le constater vous-même. Et c'est désolant. Ce brut sort certainement d'un piercing, parce que nous sommes à côté d'un puits de pétrole, ici, à 100 ou 200 mètres. Il sort de sous terre. Et il se répand parmi toute la mangrove et les arbustes des environs. Et nous craignons surtout que nous sommes en début de saison de pluie. Avec les pluies, ça peut se retrouver à l'eau. Et du coup, c'est le poisson qui sera détruit. Et c'est tous les écosystèmes. Tous les écosystèmes, on va dire. Mais vu l'état de la mangrove, ça ne date pas de maintenant. Non. Ça date quand même de peut-être 6 ou 8 mois ou peut-être un an. Les cours d'eau ne chappent pas à cette vaste opération de pollution qui n'est pas sans conséquence sur la principale activité socio-économique qu'est la pêche. Là, nous sommes à la lagune Nchonga. Il y a du brut, il y a versement de brut dans le premier précisément au Fernabas, la lagune Nchonga et Perenco est responsable. Malheureusement, ils n'ont pas pu alerter les populations et c'est nous.
vous-même qui avons fait l'effort de rejoindre le pouvoir communiquer avec nos populations pour nous avertir de ne pas consommer ces eaux. Est-ce possible, c'est normal, dans un pays de droit, qu'un opérateur économique puisse faire un tel désastre? Nous sommes ici en Tchonga, au fin fond de la lagune d'Ifernavaz, à quelques encablures d'Averombouiri, la zone où la pollution a eu lieu ce 14 octobre 2020. Cela est attesté par le barrage flottant que Perenco vient de mettre. Ce barrage a pour objectif effectivement d'empêcher une propagation des hydrocarbures au-delà de cette zone d'Averombouiri. Nous avons reçu parallèlement des témoignages de nombreux pêcheurs qui attestent et convergent effectivement, Perenco a pollué. La rivière a été polluée, que les nombreux pêcheurs qui ont pour activité, qui déploient leurs activités, je veux dire, dans cette zone, n'ont pas pu pêcher. Beaucoup de poissons en sont morts. Donc c'est une réalité. Vous pouvez voir, l'eau a changé de couleur, mais nous sommes aussi informés que il y a eu une grande opération de pollution effectuée par Perenco ce matin. Donc la réalité est que Perenco continue à polluer la rivière du Fernavaz, que les impacts liés à cette pollution sont énormes. Hein, les activités des pêcheurs se trouvent aujourd'hui impactées. C'est des familles entières qui risquent d'être au chômage. Donc c'est une situation dangereuse, c'est une situation qui mérite d'être traitée avec la plus grande attention par les autorités. Hein, il faut désormais, il faut avec vigueur que Perenco soit mis devant ses responsabilités, que Perenco paye au nom du principe pollueur-payeur les dégâts. Il y a des dégâts environnementaux, il y a des dégâts au niveau des ressources halieutiques, il y a des dégâts dans le porte-monnaie de ces pêcheurs hein, qui sont installés dans toute la lagune. Et si rien n'y est fait, si des mesures gouvernementales très fortes ne sont pas prises, Perenco risque de récidiver, parce que cette société ne semble pas être aux normes internationales des industries extractives. Parce qu'il y a un certain nombre de normes qui concernent la protection de l'environnement, qui concernent la protection des écosystèmes. Il s'avère que cette compagnie ne met pas l'accent sur ces normes-là. Et le moment où nous pouvons faire 2, 3, 4, une semaine, 2 semaines, où nous pouvons pêcher, parce que lorsqu'il y a la pollution, et nous avons des poissons en telle ou même nous trouvons dans les rivières, qui sont complètement morts, avec les bulles partout, sans compter le matériel de pêche. Et quand on prend ce matériel-là pour se rendre à Perenco, pour leur montrer que voilà ce qu'on a eu, alors Perenco dit, s'en fout, c'est pas les problèmes. En tout cas, nous sommes ici, là, c'est pas à notre niveau. Alors, quand on se rend compte que nous payons les taxes, quand même, en tant que jeunes Gabonais, qui vont se démêler, qui payent plus que nous vivons ici dans notre village, mais on arrive quand on paye les taxes, mais les règles ne sont pas énormes. Et encore, il y a une nouvelle loi encore où, en ce moment-là, où l'État a donné, donc il y a certaines zones où les Gabonais ne peuvent plus pêcher. Donc la zone où on pêche, c'est là où Perenco fait de la pollution. Mais quel endroit où nous, les Gabonais, nous allons pêcher maintenant? Et en attendant que nous payons les taxes. Hein? Donc nous sommes complètement emmerdés. Nous savons quel endroit il faut aller. C'est ici où nous vivons. Un jour, vous allez entendre sinon que les Gabonais sont morts parce que nous avons marre de Perenco. Nous ne voulons plus ça. Mais ça arrête. Parce que nous ne bénéficions rien du tout. Pas facile dans cet environnement infesté à souhait par Perenco de trouver de poches d'air sains sans empreinte de dame. Elle n'avait pas grand chose à dire. Mais par contre, Par conséquent, il y a Isina, les odeurs des hydrocarbures. Donc Perenco purge
juste à côté de leur domicile. Donc ces odeurs, quand ça remonte, ces odeurs de gaz, ça leur étouffe et ils ont des difficultés de respiration de moment avec les enfants. Donc du coup, et, du côté santé, ils n'ont pas de soins, des médicaments, les dispensaires n'ont rien. Aucun suivi médical. Aucun suivi médical. Même la mythique église Sainte-Anne, qui porte le nom du village qui l'accueille, tombe sous le coup de la vétusté, au point que la rune en vienne à frapper à sa porte sous l'indifférence totale de Perrinco, qui, pourtant, grâce à un puits de pétrole situé à un jet de pierre du village, s'offre gratuitement des milliards de francs CFA au détriment du plan de développement local. On se rend compte que Perrinco est juste là pour exploiter le pétrole, qui s'occupe pas des populations, parce que l'église, même quand vous êtes à l'intérieur, il y a de l'eau qui coule, bientôt même les tôles, le clocher est en train de tomber, et on est même inquiet quand on est à l'intérieur. Je pense que d'ici là, l'église sera fermée, Perrinco ne fait rien. Bon, je ne sais pas, à notre niveau ici, on ne voit rien. On ne voit rien. L'école, ça, c'est une école qui est là depuis les années 1950. Et c'est la même école. C'est la même école. Rien n'a changé. Ce sont les mêmes le même bâtiment. Je pense même que ce sont les mêmes portes. Peut-être qu'on n'a rien fait. On est ici, les enfants, il y a même les enseignants. On se trouve ici avec deux enseignants parce qu'à un moment donné, parfois, si Perrinco pouvait donner de l'argent, le conseil départemental pouvait plus recruter des bénévoles pour enseigner les enfants. Mais non, rien du tout. L'infirmerie manque de médicaments. Tout manque. Il n'y a même pas de lit. Les médicaments ici, je ne sais pas. Les gens sont obligés d'aller acheter les médicaments en bois. L'infirmière est même là, je ne sais pas combien de comprimés elle a dans sa boîte, mais il n'y a presque rien du tout. L'emploi des jeunes reste un véritable serpent de mer. On n'a pas des enfants même qui travaillent. Nous demandons que les gardes de BP ici, où nous avons découvert, la pollution doit aussi travailler. Ce n'est pas que travailler les gardes qui reviennent de loin. Et nos enfants sont en train de chômer. Et nous-mêmes, c'est nous qui sommes sinistrés. La négligence aussi de la jeunesse, puisque Perrinco exploite à quelques kilomètres de là. Il n'y a aucun de nos jeunes qui ont été employés par cette dite société Perrinco. En tant que jeune, moi je lance un cri d'alarme. Il faudrait que cela cesse parce qu'un État ne peut écraser sa jeunesse. Parce que l'État, c'est la jeunesse est la force d'un État. Il faudrait qu'on prenne conscience que toutes ces sociétés doivent insister à ce que le développement se fasse dans notre pays et que la jeunesse soit prise en compte. Perrinco n'a jamais embauché les gars du village. Il n'y a personne qui a été embauché là-bas. Ni participé au développement du village, ils n'ont rien fait. Donc depuis qu'ils sont là, ils n'ont rien fait. Ils ont d'abord cassé tout ce qu'ils avaient comme structure. Ils ont tout enlevé. On a demandé de nous laisser le dispensaire. Ils ont tout enlevé. Donc il n'y a plus rien. On les a demandé de nous envoyer le courant ici. Ils n'ont rien fait. Donc c'est pas la peine. Au nom du contrôle citoyen de l'action publique, villageois et cadres résidents sur place se sont offerts un safari aux allures d'inspection inopinée dans les villages, les zones polluées et certains sites pétroliers. Quelques enseignements tirés par le président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance, l'Orol BG, Georges Paga. Le
le développement de Kimboué n'est pas visible, il n'y a rien. Rien. Omboué, vous allez filmer, on va faire le tour d'Omboué tout à l'heure. Vous verrez que le chef du département, je vais dire le chef lieu du département, Kimboué, la carrière, Omboué est aussi sinistré. C'est inacceptable. Le 70% du budget de l'État dépend des activités pétrolières et gazières d'ici. C'est ça le drame. Et si on ne corrige pas ce drame, des choses désagréables peuvent arriver. Donc j'attire les autorités sur leurs responsabilités. Nous, en tant que représentants des communautés, nous allons attaquer Perenco devant la justice, dans les plus brefs délais, parce que les populations sont organisées. Nous allons les attaquer pour avoir violé leurs engagements et les principes internationaux de la gouvernance extractive. Perenco s'est comporté en opacité. C'est une compagnie opaque. En plus, ils veulent accaparer les terres de Kimboué. Ils veulent exproprier la population. Donc nous avons deux problèmes, trois problèmes. Le premier problème, c'est l'accaparement des terres. Donc une tentative d'expropriation des populations. Deuxième facteur majeur, c'est le refus. Sinon, le fait que Perenco n'ait pas tenu ses engagements contractuels au niveau social et économique vis-à-vis de l'État gabonais. Et le troisième drame que nous dénonçons, donc le troisième problème majeur, c'est la pollution généralisée du sol. Donc il y a trois problèmes que nous devons régler avec Perenco et qui exigent la mobilisation. Il y a déjà plus de 1000 personnes qui ont signé la pétition. 1000 personnes, tout le monde ici a signé la pétition. La pétition, c'est notre arme contre Perenco. La pétition sera suivie de plaintes avec les plus grands fiscalistes internationaux. Je veux dire les avocats fiscalistes internationaux, les avocats du secteur extractif. Nous allons utiliser des avocats internationaux. Et si Perenco ne veut pas négocier avec la communauté, nous allons attaquer Perenco. Nous allons mener une guerre judiciaire, une guerre médiatique contre Perenco pour que Perenco paye ce qu'elle doit. Je veux dire, cette compagnie doit à la communauté du département de Kimboué. Pour tordre le cou à cette vaste escroquerie financière et ce déni de développement local, les populations ont donné mandat à travers une pétition à leurs représentants regroupés au sein d'un observatoire à tutoyer Perenco. On veut tourner la page de cette triste réalité. La responsabilité de l'État central dans cette mafia politico-économique est clairement mise en relief. La base de tout, c'est pas Perenco. La base, c'est le gouvernement. Moi, je pense qu'il faut réussir à modifier. C'est les Français qui nous imposent une situation qu'on n'a jamais connue. Ce sont les Français. Nous, on a élu ici, on a voté Jean Ping, qui devait prendre le pouvoir et modifier tout. Monsieur Bongo a pris les militaires et est resté au pouvoir. Jusqu'à présent, il n'y a pas un gouvernement légal. Donc, on joue avec nous. C'est les Français qui font ça.
ce sont les Français. Moi, je pense que les Gabonais, d'abord, on n'est pas nombreux. Les Gabonais ont peur de mourir. Parce que s'il y a un petit groupe qui va sortir dans la rue, on va tirer sur eux. On est combien? Et voilà, on nous impose des gens. Ali Bongo, il paraît qu'il est malade aujourd'hui, on le maintient. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il vit, nous ne savons pas. Est-ce que Perenco va s'occuper des gens ici, pendant que ces gens-là sont là? Ce sont eux qui sont les patrons de Perenco. Et voilà comment le pays continue à souffrir. Oui, monsieur, oui. C'est même regrettable et abominable. Abominable quand on voit la capitale économique, qu'on dit simple nom de capitale économique, qui est un petit campement de pêche. On n'a pas développé Port-Gentil, monsieur. Et à travers Port-Gentil, c'est tout le goût maritime. Le pétrole sort d'ici. Mais on ne fait rien pour les gens d'ici. Même les cadres. Les gens viennent d'ailleurs. On ne veut même pas former les cadres d'ici. Comment voulez-vous que Perenco puisse réellement changer la situation ici avec les gens, tant que le gouvernement est là? Tout l'argent part pour eux dans leur poche, aller acheter des avions, des voitures, et ainsi de suite. Et ce monsieur, comment il s'appelle là, le français, Macron. Hein? C'est lui qui ne veut pas libérer le pays. Ça a commencé par Hollande. Et l'autre est venu, c'est la même chose. Vous voulez la mort du Gabon? Et les pays africains, qui sont aussi les pays pauvres, ils profitent de cette situation pour s'accaparer du Gabon. Oui, bien sûr. Donc, Perenco n'a rien fait dans ce pays. Ils prennent le pétrole. Même s'ils construisent une petite école par rapport à ce qu'ils gagnent ici. C'est zéro? Oui. Oui. Et moi, j'aurais souhaité que Perenco fasse d'abord la formation des Gabonais pour laisser le Gabon aux Gabonais. C'est eux-mêmes qui devaient travailler leur pétrole. C'est chez eux. Mais on ne commande pas l'étranger. C'est l'étranger qui prend tout. Voilà un pays. Vous partez. Toute l'économie du Gabon est entre les mains des étrangers. Oui, monsieur. Mais c'est pitié. C'est pitié. Quand on voit un pays comme la France qui a colonisé le Gabon, et qui se fout de la gueule des Gabonais, c'est vraiment regrettable. Regrettable. Nous souhaitons que la France libère le Gabon, de laisser le Gabon aux Gabonais eux-mêmes. Voilà. On fait une élection, ce n'est pas des élections bidons qu'on devait faire. Ça devait être des vraies élections. Et on désigne quelqu'un, on le laisse travailler. Moi, je n'attends rien de Perenco, il ne peut pas changer ce pays-là, tant que le gouvernement là est là. Ça symbolise l'exploitation scandaleuse des richesses du département de Timbué. Ça symbolise le pillage des ressources extractives du Gabon. Ça symbolise la malédiction du pétrole. Parce qu'il est question ici de ce que nous appelons le symbole hollandais dans le jargon des défenseurs des droits de l'homme et dans le jargon des activistes secteur extractif. Voilà une zone qui fait gagner à Perenco des milliards de dollars, des dizaines de milliards de dollars, qui est la symbolique, n'est-ce pas, de la richesse du département Tétimboué. Ici, nous avons une grande base, l'une des bases les plus importantes, qui contient un puits de pétrole, dont Perenco tire l'essentiel de ses ressources pour le Gabon. Mais quand vous regardez autour le niveau de développement de la localité, des populations, la pauvreté, la pépurisation, hein, la misère et l'absence des infrastructures, nous disons que Perenco est une entreprise mafieuse. Nous disons que Perenco est une entreprise qui viole, n'est-ce pas, les droits fondamentaux de la personne humaine. Les droits économiques et sociaux des populations de Timbué sont violés. Et Timbué ne peut pas être dans un état de délabrement, dans un état où les besoins vitaux des populations ne sont pas accomplis, ne sont pas satisfaits. Et après tout, il y a une
exploitation, surexploitation de la richesse du département. Vraiment, nous sommes ici à Olindé, vraiment l'épicentre de la richesse, le cœur même du département. Nous sommes à côté de l'Atlantique, à côté d'un bras de mer. Et à cela s'ajoute donc cette biodiversité très importante. Et on y trouve également, malheureusement, des violations de l'environnement, des pollutions partout. Ce puits de pétrole est un puits emblématique de la richesse de Perenco. Donc ce que les populations veulent aujourd'hui, c'est qu'elles soient respectées, que leurs droits soient respectés, que Perenco, qui pille, qui vole le pétrole des Timboué, puisse comprendre que les populations ont besoin de développement, que les populations ont besoin d'hôpitaux, que les populations ont besoin de routes, que les populations ont besoin d'infrastructures, je vais dire, d'un véritable développement durable, que l'environnement est protégé. Or, Perenco ne satisfait pas à ses attentes. D'où la mobilisation de la population, d'où cette pétition, d'où la mise en place de ce grand, grand observatoire qui est le premier au Gabon sur le suivi des activités extractives et des ressources naturelles. Donc c'est le début d'une prise de conscience et c'est surtout un engagement. Nous voulons ici féliciter vraiment la mobilisation du département de Timboué dans cette direction, dans cette action très forte. Et Perenco a un prix à payer. Perenco a dédommagé les populations. Galinka la Galinka.